Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans une étude de cas qui devrait te passionner. On va analyser ensemble une session de coaching que j'ai fait avec Christine. Donc dans ma communauté, j'ai une communauté, euh, un groupe fermé et 100% gratuit de chanteuses et de chanteurs et de coachs qui veulent s'améliorer. Et donc je propose des coachings euh, gratuitement dans cette communauté. Et euh, on a travaillé avec Christine qui prépare un spectacle. Alors si tu es Coach vocal, prof de chant, cette vidéo eh bien, elle va t'offrir des prises de conscience précieuses, j'en suis sûr, et te montrer des techniques concrètes pour optimiser tes propres séances de coaching. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, et toutes les semaines, je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos pour aider les chanteurs et leurs enseignants, leurs coachs, à s'améliorer. Alors, Christine est arrivée avec une difficulté claire, un défi pour elle, mais qui est assez commun dans le monde du chant. Et à travers cette analyse, eh bien, je vais te montrer comment j'ai identifié les causes de cette difficulté et surtout comment j'ai adapté ma méthode à ses besoins spécifiques. Ça, c'est vraiment une des choses du coaching. On n'est pas dans un enseignement où on va essayer de faire rentrer un élève dans un moule, dans un cadre. C'est très bien dans les écoles, okay, il y a des cadres, etc. Il faut rentrer là-dedans. Mais là, on est sur du coaching, donc c'est à moi d'adapter ma méthode pour combler les besoins de Christine. Et donc ce cas pratique, eh bien, ça va te donner des outils pour mieux comprendre et aider tes élèves, tout en affinant, je l'espère, ton approche pédagogique et ton approche de coaching. On va décortiquer ensemble chaque étape du processus, d'accord Donc je vais faire des pauses, on va visionner le coaching ensemble, depuis les mots, les techniques que j'ai utilisées. Tu vas voir qu'on va vraiment aller dans le détail de manière à ce que tu aies un maximum de prise de conscience sur tes propres pratiques. Tu vas voir comment une bonne compréhension du besoin de l'élève ben, peut transformer une session de coaching peut-être ordinaire en une euh, belle, belle progrès, progression. Alors que tu sois novice, cherchant à apprendre peut-être voilà, au début les ficelles du métier, ou euh, un vétéran, si je puis dire, désiré, désireux de rafraîchir tes méthodes, eh bien, cette vidéo devrait t'intéresser. Prépare-toi, prends des notes, okay prends un, 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 un cahier, un crayon. Je vais publier de plus en plus d'analyses de coaching et je t'invite à te faire un petit carnet peut-être pour stocker tout ça, là, tout ce que tu vas découvrir. Et euh, bah, tout ça, ça va être utile pour tes sessions futures. Hein. C'est vraiment le but de ces vidéos, c'est de pouvoir t'aider. Alors installe-toi confortablement. On va voir ensemble comment transformer les obstacles euh, de Christine en opportunités de croissance. C'est parti je voudrais faire, savoir comment faire lorsque pendant un concert, sachant que moi ça va être un concert de, de deux heures, là, ouais. vers la fin notamment, euh, l'envie de tousser me prend ou de me gratter la gorge ou d'avoir un coq dans la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à ça ah. Alors euh, là tu vois ça démarre, donc ce sont des coachings que je fais au sein de ma communauté. Euh, c'est libre, hein, les gens viennent comme ça, c'est des sessions euh, offertes, les gens viennent. Là ma question, ok Christine, comment je peux t'aider euh, j'ai jamais coaché Christine avant euh, vocalement, et donc du coup, voilà. Elle me dit Ben, moi, voilà, j'ai cette question particulière. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, euh, l'élève vient avec vraiment euh, euh, comment dire, vient avec une, une, une vraie problématique qui est identifiée. Je voudrais juste te remontrer quelque chose au niveau du langage de son corps. Ah, ah. Moi, je sais que j'avais déjà une question. Moi. Ah ben, <laughs> C'est parti. Je voudrais faire, savoir comment faire lorsque pendant un concert, sachant que moi ça va être un concert de, de deux heures, là, ouais. vers la fin notamment, euh, l'envie de tousser me prend ou de me gratter la gorge ou d'avoir un couac dans la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper Donc là, quand elle dit me gratter la gorge, avoir un couac, elle le fait avec sa main, d'accord C'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle vient comme ça effleurer sa gorge. Ça, c'est intéressant, c'est un geste, on est dans la kinesthésie, d'accord Dans les can canaux de différents. Euh, canaux de communication, là on voit qu'elle est vraiment dans cette sensation désagréable, d'accord, dans son corps. Donc ce n'est pas une idée reçue, d'accord on, on a des fois des élèves qui viennent avec des idées reçues de leur voix ou de ce que serait leur voix. Là, Christine, à travers ce geste, nous montre qu'elle est vraiment dans un ressenti corporel et qu'il y a vraiment une gêne. Ah oui. Alors, euh, quand, oui. quand on a cette sensation que, que j'ai je... bien, bien connue, parce qu'en fait c'est ce qui m'a amené... À, à travailler ma voix en fait c'était de faire des, de faire des concerts et de dire ah, je ne comprends pas ça commence à chauffer c'est inconfortable ça j'ai envie de tousser etc en fait c'est une irritation ouais. hein, quand quand tu donc là quand je partage à Christine mon histoire euh, c'est simplement parce que ça permet de d'éviter d'être sur un piédestal euh, on se connaît pas particulièrement avec Christine euh, on on, a, on a, voilà, Là, elle débarque dans un live, hein. il y a besoin quand même de créer un peu de connexion. Euh, alors, elle suit mes contenus, mais je n'ai vraiment pas cette idée, cette, cette idée de dire « Ok, je suis sur un piédestal, je suis le meilleur chanteur, le meilleur coach et toi tu vas écouter mes petits conseils. » Là, je partage, je dis bah, « voilà, Le problème que tu me partages, tu sais quoi, moi je l'ai vécu. Okay » Ça permet de nous mettre comme ça euh, euh, sur un pied d'égalité et de, et, et de dire bah, « je, je vais pouvoir euh, t'aider là-dedans. » Christine nous a donné déjà des informations intéressantes dans la description de son problème. Hein. Ça, c'est une oui. irritation. Euh, <laughs> et ça veut dire que tes, que tes cordes vocales sont échauffées. Ouais. Euh, mais échauffées au sens euh, comme quand on, on se blesse, hein, je sais pas, quand on met des chaussures neuves et puis tu sais que ça nous frotte un peu le pied. Là. Oui, ouais. passe ouais. Ça aussi au niveau des cordes vocales. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir traiter en amont parce que. Alors, pourquoi là, je partage un petit bout d'anatomie, de, de, d'explication Très clairement, en coaching, on n'en a pas forcément besoin. Moi, je suis vraiment toujours dans l'expérientiel. Je privilégie au maximum l'expérientiel. Euh, C'est-à-dire, euh, déjà que la personne ressente les choses dans son corps et après, si elle souhaite comprendre ce qui se passe, peut-être lui donner un bout d'explication. Mais on est, en tant que coach, on n'est pas des enseignants, on n'est pas censé expliquer la physiologie vocale, comment ça marche. Par contre, là, comme on est sur quelque chose qui, a priori, se répète chez Christine, elle a un concert de deux heures à faire, c'est quelque chose qui peut-être peut... -être peut euh, lui faire peur, il y, y a de la douleur. Euh, l'idée, en gros, c'est de lui expliquer que ce n'est pas, pas trop grave, ce n'est pas bien grave, d'accord Elle n'est pas, pas en train de se casser la voix, c'est juste que il voilà, y a une irritation et qu'on va pouvoir l'aider là-dessus. D'accord C'est justement pour, euh, simplement je dirais, mettre de côté le côté euh, qui pourrait être grave, de dire oh là là je vais me casser la voix, c'est hyper dangereux. C'est inconfortable, évidemment, il ne faudrait pas que ça se répète pendant des années. Mais l'idée, c'est de, de dédramatiser euh, ce truc-là. Hein. Tu ressens... Cet inconfort-là, les lésions, elles sont déjà là. Alors, c'est des oui. micro-lésions. Euh, après, si tu ne chantes pas tous les soirs, euh, oui. tu, tu vas, ça, ça, va vous, ça va se réparer, tu vois, ça va revenir. Mais oui. donc, l'idée, ça va être de travailler en amont. Pour... Bah, pourtant, je travaille à tous les jours, tous les jours. Hein. Je fais toutes les, les sept semaines là, de chant. Ouais. Je fais ouais. des échauffements depuis des mois, des mois. Donc, ça, c'est super. Hein. Là, je lui dis pas… Euh, pour... Donc, on va travailler en amont. Donc, en fait, quand je, quand je veux dire la travailler en amont… Euh, j'aurais pu le dire pour être plus précis, d'accord. Si euh, moi je t'invite hein, à analyser tes propres coachings comme ça pour t'améliorer en précision, là j'aurais pu lui dire on va essayer de traiter le sujet en amont, d'accord. Là je lui travailler et on voit que là Christine elle, elle, elle dit oh ouais, attends, mais moi je travaille beaucoup et ça c'est important parce qu'on voit que ça peut créer beaucoup de frustration quand quelqu'un met de l'énergie dans un sens et que ça lui apporte pas les résultats, mais parce que justement le travail qu'elle fait n'est pas forcément euh, du coup adéquat par rapport à la difficulté qu'elle rencontre. Même maintenant, ça fait plus que plusieurs années que je travaille vraiment tous les jours. Quoi. Ok, Donc, toi, tu fais le travail technique sur ta voix Oui. Maintenant, c'est quoi la différence entre quand tu chantes deux heures et quand tu fais euh, ton travail chez toi Donc là, on y est. Okay. Et là, elle va nous dire c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, c'est sûr. Hein. c'est que, que 20 minutes. Hein. Voilà. Et donc là, on l'a vu avec son corps. Elle fait ah non, mais ben là, ok, non, mais c'est pas pareil, bien sûr. Et là, elle vient de dire c'est 20 minutes. Et si tu te souviens, dans la description de son problème avant, elle nous a dit qu'elle faisait des concerts de deux heures. D'accord Ce n'est pas rien, deux heures. Là, elle parle d'exercices qu'elle fait pendant 20 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la question de savoir quels sont les exercices qu'elle fait, donc là, elle m'a cité des exercices de programme que j'ai créé, mais je ne sais pas les exercices qu'elle fait en réalité, parce qu'il y en a plus de 150 exercices, donc je ne sais pas ce qu'elle fait réellement comme exercice. Mais par contre, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a peut-être une question de durée, d'accord La différence. Et c'est ça que je veux l'aider à voir. On veut essayer de diagnostiquer ensemble okay, est quel est le sujet sur lequel on doit travailler finalement. Est-ce que c'est juste une question de durée je, je pense parce que je, je chante quand même fort. Hein, fort. Je, je, vraiment, j'y vais. Euh, vais. Ce n'est pas une, une voix toute douce. Hein. Il y a des moments où vraiment je chante euh, et tout. Super intéressant. Je pose la question à Christine. Donc, on a parlé de je chante pendant deux heures pour un concert. Ensuite, dans, elle me dit Oui, mais moi je travaille tous les jours 20 minutes. Ah oui, 20 minutes, c'est quand même pas pareil. Donc là, je reformule Est-ce que c'est juste une question de durée C'est bien une question de durée Et là, elle me parle d'autre chose. D'accord Elle me parle de volume sonore. Elle me parle d'intention qu'elle a. Offre quoi Ouais. Donc euh, c'est donc vrai que euh, ça tire pas mal quand même dessus la voix sur euh, certaines chansons en fait. Hein. À, à cause du donc volume du coup oui, je pense, oui. oui. Okay, okay. Et là, elle précise sur certaines chansons. Donc c'est intéressant, plutôt que de partir, quand je chante, j'ai mal. En fait, c'est quand je chante pendant deux heures sur mes concerts, parce que quand je travaille 20 minutes chez moi, je n'ai pas le problème. Et là, maintenant, elle nous parle de questions de volume, ouais, parce que je mets du volume et tout. Et puis là, elle nous dit, sur certaines chansons. Donc vous voyez, je suis en train d'affiner, je suis dans l'entonnoir, là, je suis en train d'affiner l'endroit où je veux aller travailler. Euh, c'est un petit peu comme, c'est une image que je donne dans l'école de coaching, si je veux enfoncer un clou, il faut que je tape sur le clou, d'accord si, si je fais un clou à côté, un, je tape un coup à côté, un coup sur le clou, un coup à côté, un coup à côté, mon clou, il ne va pas s'enfoncer vite. Si je veux résoudre rapidement un problème, il faut que je passe du temps, et donc il faut que je ralentisse, il faut que je prenne ce temps-là de questionner pour essayer d'identifier où ça se passe. Donc, tu vois, c'est intéressant, c'est que ce n'est peut-être pas forcément une question de durée. Oui. Mais peut-être une question de. Tu vas un peu brusquer tes cordes vocales parce qu'il y a une chanson où tu vas vouloir donner plus, oui. puis après peut-être encore une autre, puis une autre, puis la somme de ça va faire que. Ouais, qu au bout moment... Et là, regarde sa tête, dou -dou 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 -dou, qui nous fait comme ça. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a deux langages, le langage verbal et puis non-verbal, où là, c'est son langage du corps. Qui acquiesce, qui dit Ah ouais, 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 ouais d'accord. Donc, moi, tu, tu noteras que je parle au conditionnel. Peut-être que, peut-être que c'est, je fais des suggestions parce que je veux toujours pas m'imposer comme une sorte de figure d'autorité qui dit C'est ça. Parce que le risque, si je le fais et que je me trompe, c'est que la personne, par respect pour moi ou par respect par le coach, dise Oui, oui, coach, tu as raison. Euh, alors qu'en fait, ce pas ça. Et c'est ce qui arrive avec des gens. Moi, j'ai eu en coaching des gens qui ont fait des coachings, qui ont payé euh, plusieurs milliers d'euros avec des, des coachings avec des, des célébrités. Et parce qu'ils n'ont pas osé dire à la célébrité que non, non, chef, ce n'est pas vraiment ça mon problème, ben, du coup, ils n'ont pas résolu leur problème. Donc là, c'est important de. Je parle au conditionnel, je suggère peut-être que, peut-être que ça, ça pourrait être ça. Et sauf que là, j'ai son langage du corps qui dit oui, 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 oui c'est ça, d'accord Donc moi, ça me donne du coup des indices sur la bonne direction. Table. Oui, oui, oui. Donc là, c'est bien parce que du coup, oui, tu travailles ta voix tous les jours, mais tu la travailles, les exercices de cette semaine, tu travailles plein d'aspects différents de ta voix. Et oui. là, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un lien qui est lié juste à la question de volume ou en tout cas de la manière dont toi tu t'engages sur certaines chansons pour, pour mm -hmm. avoir ce rendu de volume. Oui. Ça serait, euh, Alors pourquoi je dis ça Parce qu'elle m'avait dit avant, oui, mais euh, moi, je, je fais tous mes exercices, je travaille beaucoup mes exercices, et il y a une frustration à ça. Donc là, je veux apaiser cette frustration parce que je ne veux pas non plus qu'elle retienne de dire, ah ben non, ça ne sert à rien de faire les exercices. Non, les exercices sont intéressants pour travailler son vibrato, pour travailler son accessibilité aux aigus, etc. Et là, c'est ce que je lui dis, je lui dis, donc toi, tu fais des exercices pour travailler des aspects de ta voix, mais là... La, le sujet qui se présente là, c'est peut-être juste de travailler sur le volume et la manière dont tu t'engages pour avoir ce volume. C'est que des compos hein, que tu fais, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. oui. Euh, là, tu vois, à ce stade, on aurait besoin peut-être d'avoir une référence de volume parce que chanter fort ou... Donc ça, c'est pareil. Petite astuce. Compos. Christine, parce qu'elle me l'avait dit avant, avec, euh, elle s'accompagne avec sa guitare, ou avec, euh, avec sa guitare, ouais, euh, chante des compos. Et je sais que ce sont des compos qui sont engagés. Et quand on parle de volume, quand on parle de, souvent par expérience, quand en plus on est sur des chansons engagées, etc., les gens cherchent à, à, ont trop d'intention, cherchent à trop donner, et euh, ça crée des, des, des difficultés vocales. Alors à ce stade, je ne peux pas encore le vérifier, mais en tout cas, c'est une petite idée là qui traîne dans ma tête. Hein, quand elle me dit c'est des compos et tout, je me dis, à mon avis, Christine, quand elle y va... Elle, 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 elle contrôle peut-être pas tout ce qu'elle fait quand elle chante tellement elle est engagée dans sa chanson. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fonction des gens. Toi, il y a des gens. Euh... Oui, oui. Ben, J'avais publié sur sa plateforme. J'avais mis la chanson libre. où déjà, je donne pas mal de voix dedans. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter ou pas. Alors attends, je regarde. Donc là, euh, maintenant, on a parlé, c'est bien, mais il me faut une référence. Hein. Quand elle me dit qu'elle chante fort, c'est quoi Est-ce que ça, elle chante fort, -ce se chante fort là Ouais, là, elle chante super fort. Non, là, j'ai peut-être l'idée que je chantais fort. C'est tu sais, des fois, il y a des gens qui sont là. Ouais, alors maintenant, t'arrêtes Ils ont l'impression de crier, sauf qu'en fait, le volume sonore qui est, qui est, qui est rendu n'est pas là. Donc là, maintenant, j'ai besoin de mettre un vrai étalon. Bon, on parle de ce sujet là. C'est quoi du volume Donc là, c'est ton, ton premier couplet ouais, Oui, oui. Là, du coup, toi, oui, oui. en termes de volonté, tu es, es à quoi en volume le de, de refrain. C'est le refrain, ça. Hein. C'est mon ah, refrain. Ok, tu commences par le refrain. Là, du coup, toi, oui. tu dirais que tu es à quel degré d'intensité de 1 à 10 Là, je commence doucement. Hein. Je suis à, je sais pas, moi, 5-6. Donc là, je suis en train d'écouter sa chanson. Alors, sur mon téléphone, euh, les personnes vont dire c'est n'importe quoi, on n'écoute pas sur un téléphone, les haut-parleurs, ils sont pourris, euh, elle a même pas un vrai micro, etc. Quand on les choses, en fait, euh, moi je m'en fous complètement là, de la qualité sonore de ce que j'entends sur mon téléphone. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est entre ce que j'entends sur le téléphone et sur l'intention qu'elle veut mettre, elle en est où C'est pour ça que je la questionne. Là, je mets en place donc une échelle. Okay c'est un outil de coaching. C'est une échelle de dire, OK, là dans ton intention de volume, tu es à combien et Donc là, elle m'explique, bon, voilà, c'est le premier refrain, je ne je, 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 je sors pas encore les watts. Quoi, hein moi, j'ai besoin de d'étalonner de, de, en fait. Ok, d'accord. Euh, oui, euh, oui. 5-6, c'est des intermédiaires. Tu vas vers la fin hmm. ouais. Il faut que tu ailles vers la, vers la fin pour euh, ouais. avoir plus Mais de… Euh... L'idée, là, c'est de m'étalonner parce que là, euh, là ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà un bon volume. Donc, en effet, 5-6, ouais, ça me paraît euh, cohérent par rapport à ce que tu dis. Ouais, ouais. Mais, oui, oui. Euh, euh, si, si par exemple la chanteuse me disait, moi je veux chanter euh, pas trop fort au début, on irait plutôt oui. vers 2, 3, tu libre, libre, oui. là tu es déjà un petit peu plus volontaire hein, sur ce refrain-là. Oui, oui. Hein, on va voir la suite. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ton corps s'engage au service de tes cordes vocales et au service de ce volume. Ah oui, oui, Alors, je dirais oui. Oui, alors tu peux me le faire un coup et puis me dire où, quelles sont tes sensations, où est-ce que tu sens ça ouais, Je sens vraiment, tout, enfin là c'est le haut du corps, mais le ventre aussi, hein, le ventre aussi joue dessus. Hein. ouais alors vas-y, vas-y, on va refais voir un coup. Libre, euh, libre de penser, libre de créer, libre d'aimer. Nous sommes tous libres de penser, de créer, d'aimer. Là, ce qui est cool déjà, c'est que quand Christine chante, on sent qu'elle est très investie dans sa chanson. Hein. On voit son visage, ses yeux, etc. Ce qui me valide un peu l'histoire des compos où les gens qui chantent leurs compos en général sont plus investis que les autres dans leurs chansons. Mais souvent, ça va passer aussi par moins de contrôle sur ce qui se passe au niveau vocal. Hein. Donc, ça, ça, ça valide du coup cette hypothèse. C'est le ventre qui s'y met. Quoi. Ok, alors il s'y met. Tu, tu pourrais me montrer que la main, un peu, euh, qu'est-ce qu'il fait ou alors, euh... Donc là, ça m'intéresse parce qu'elle me dit il ah, y a le ventre qui s'y met euh, et on sait que par rapport au ventre, c'est un peu là, c'est euh, attention danger. Parce que euh, effectivement, on va voir que notre abdomen euh, bouge, d'accord C'est quand on, on, on respire, quand on chante, il y a, y a un mouvement, il y a un déplacement, mais maintenant, avec quelle intensité Il y avait des anciennes méthodes où on demandait vraiment de, de pousser énormément comme ça avec le ventre. Ce Qu'on n'enseigne absolument plus parce que c'est contre-productif, on se fait mal et souvent, justement, on se fait mal parce qu'on va brusquer les cordes vocales par un, 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 un flux d'air trop puissant. Donc là, quand même, parle de ventre, je me méfie et là, je préfère euh, lui demander ok, euh, on, on va aller creuser ce truc-là. Ouais. Debout, si tu peux. Mais il se met, il bouge, pas Ouais, vas-y bah, libre, libre de penser, libre de créer. Voilà. Et là, on a compris le coaching. D'accord Là, à ce stade-là, on a la réponse. Tu vois un déplacement sur une note qui est comme ça. Bon, ben, là, on a compris, quand tu connais la physiologie, en faisant ça, elle va repousser tout le sac abdominal vers le, vers le haut, du, vers le thorax. D'accord Donc, ça veut dire qu'elle va quelque part euh, brusquer, euh, brusquer le, le, la remontée du diaphragme, l'accélérer. Ça va compresser les poumons, okay. on a un niveau de pression qui augmente, donc on a beaucoup plus d'air qui va passer, on va brusquer les cordes vocales et on arrive à ces irritations qu'elle ressent. Okay. Là, j'ai clairement ma réponse de ce qui se passe chez Christine à ce moment-là. Parce que je vois des déplacements du ventre qui ne sont pas un déplacement euh, petit et progressif, là, je le vois clairement à l'œil nu et je le vois vraiment sur les dernières notes où j'ai un, un fort déplacement comme ça, ce qui n'est pas OK pour gérer un flux d'air dans de bonnes conditions sans brusquer les cordes vocales nous okay. sommes tous libres de penser de créer d'aimer ok cool ouais, ouais, ouais. ok super christine merci du coup là on a une bonne indication de qu'est ce que ton corps cherche à faire pour, euh, pour projeter ce volume oui et on a aussi oui. on a aussi mmh. du coup l'explication de pourquoi ça te chauffe oui donc on va pouvoir travailler différemment euh, mm -hmm. Est-ce que, est que tu pourrais me faire un petit truc comme ça Gonfler tes joues. Donc là, tu noteras que je lui ai pas dit que ce qu'elle faisait, ce n'était pas bon ou incorrect. Je lui dis, on va travailler différemment. D'accord mm -hmm. Super. Quand tu fais ça, est-ce que tu sens ton corps s'impliquer Pour maintenir cette pression dans les joues mm, Pas plus que ça, non. Ok, non. cool. Okay. C'est intéressant parce que pour faire ça, moi, je ressens une forte implication de mon corps, d'accord La Christine, elle ne dit pas plus que ça. Ce qui me laisse indiquer que du coup, par contre, quand elle chante, vu que là, elle sent l'implication de son corps, c'est ce qu'elle m'avait dit avant, le niveau, de, le niveau auquel elle pousse avec le ventre est vraiment surpuissant, d'accord Et ça nous explique pourquoi les irritations. Ça te paraît assez, assez euh, tranquille Oui. Euh, on va chercher un point qui est sous le sternum, donc juste sous l'os. Voilà, ici, ouais. Ouais, dans la partie molle, mmh. et tu vas appuyer un petit peu, ce n'est pas forcément confortable, et tu vas regonfler ses joues, maintenir cette pression dans les joues. Qu'est-ce que tu sens là bah... Peut-être éventuellement, il y se... a un, un, euh... un petit renfoncement quand même. Oui, une, hein. une petite tonicité, mais légère, ouais. légère hein, oui. Légère, oui. Ok, cool. Légère. Ok, donc tu vois, elle est, elle est quand même suffisamment là pour que là je la vois, parce que je vois ton torse bouger, tu vois, quand tu ouais, fais ça. Ouais. Donc, cool, on va, on va faire la même chose maintenant. Et on va donc aller... là, on va tester, hein, pour ce qu'on va dans l'école, le, le diamant du chanteur, tout simplement, les quatre points. Euh, et là, je questionne ses sensations. Je ne lui dis pas ce qui est juste, je ne lui dis pas ce qui est faux. Je ne peux pas contredire une sensation. Je ne peux pas lui dire, non, non, tu devrais sentir ci ou tu devrais sentir ça. On explore ses sensations et je vais voir... Où est-ce que Christine a le plus de sensations, du coup, pour qu'on puisse s'appuyer ensuite là-dessus pour créer un nouveau geste On va prendre ici, on a les épines du, du, bas, du, du bassin. Ouais. Là, on a le bas des côtes et nous, on va chercher entre les deux, dans la partie où il n'y a mm -hmm. pas de. Voilà. Et donc là, ouais. on va appuyer comme ça. C'est pas, pas forcément confortable. Mm -hmm. et, et tu vas regonfler tes joues. Et je regonfle les joues. Là, on cherche à voir ce que font le transverse et les obliques. Ouais. Ben là, je sens effectivement que ça rentre. Oui. Ça, ça rentre quoi. Ouais, tu sens, ça tu sens sens au niveau des mains. Oui. Oui. Donc là, super, parce que là, Christine a beaucoup plus de sensations que sur le point qu'on cherchait ici. Oui. oui. Comme ça. Oui. OK, cool. Ce oui, va ça faire... rentre. OK, génial. Oui. Ah, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va utiliser, nous, cette énergie-là. Oui. Plutôt que celle où ton ventre il rentrait beaucoup. Ah j'ai l'impression que les deux, les deux le font en même temps. <laughs> J'ai tendance quand même à faire le ventre en même temps. Oui, ok. Il, il s'active aussi. Euh, oui. Mais Maintenant, tu directes. Il, il, il s'active comment ben, Un peu moins peut-être. Un peu moins. Ouais. Tu peux te mettre debout jusqu'à vérifie comme ça. Là, je cherche à rétalonner en fait quelque part, à transférer cette énergie. Plutôt autour euh, du transverse et des obliques, plutôt que sur les grands droits qui vont faire rentrer le ventre rapidement et qui vont justement euh, pff, euh, pousser cet air au niveau des cordes vocales. Donc on cherche des nouvelles sensations. Ok, super, oui. Donc on voit, on, en fait, on voit une petite activation du ventre, par contre, on ne voit pas ton ventre se creuser, comme si, venait vraiment, comme si ton nombril venait toucher le, la colonne. Quoi. C'est plus, hein. okay, plus léger. Ok, Donc, génial. Super. Là, on a créé de la gradation du coup grâce à cet exercice de sensation. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ta mélodie en gonflant les joues comme ça. Je à la teneur, oui. Allez, gonfle bien les joues. Donc là, oui, j'ai du mal à sentir les côtés, là. Ouais, vas-y, reposez, prends bien le temps de. On voit qu'il y a aussi pas mal de tonicité hein, de volontarisme au niveau du visage. Bon, là, on ne peut pas tout traiter, on travaille ici. Euh, mais ça, ce serait un point que je me note si je revoyais Christine sur un autre coaching. Quoi. Oui, on sent plus le, les côtés là. Mm. Tu sens le travail dans ce sens-là Oui, oui. Mm, hein, mm, sur les côtés mm. Ok, génial. Ouais. Et, et, et ton ventre, du coup, j'imagine qu'il accompagne aussi oui, ouais. il ne veut, veut pas se sentir seul. Oui, mais, pa, mais par rapport à ce que tu faisais tout à l'heure, c'est quoi la, la nuance Ah ben C'est un, un mix entre les deux, on va dire. Voilà, et donc là, du coup, je, tu vois que je suis toujours en train de lui poser la question, c'est quoi la nuance Qu'est-ce qui est différent, etc. De manière à ce qu'elle, en fait, ancre cette nouvelle manière de procéder. Parce que... Le coaching, c'est ça. Le coaching, on est un guide, mais ça vient toujours du chanteur, d'accord Ça vient toujours du coaché. Sinon, c'est un truc que je lui impose, qui comprend, qui comprend pas, et qui n'arrivera pas à reproduire. Donc là, moi, j'ai besoin que Christine le vive dans son corps et décrive ses sensations en m'expliquant comment elles sont différentes. Génial. C'est un mix de. Mmh. Génial. Et donc, du coup, c'est oui. vraiment cette sensation qui va nous intéresser. Donc, on va leur faire oui. un coup comme ça, vraiment. Et mmh. prends bien le temps de respirer, hein. Mmh. Alors là, je lui dis prends le temps de respirer parce que j'ai noté quand elle me l'a fait avant qu'elle me faisait les phrases de bout en bout sans prendre le temps de respirer, ce qui m'arrange pas non plus dans l'exercice parce que par rapport à la courbe de vide de, de, de vidange de, de vidange des poumons, je me retrouvais du coup sur des, des, des dynamiques de jeu de pression voilà, qui n'ont pas forcément m'avantager dans l'exercice. Donc là, plutôt que de lui dire ah t'as pas respiré etc, je lui dis n'oublie pas de respirer, J'aurais même dû lui dire pense à respirer euh, quand tu fais ton exercice. Mais le vent travaille bien aussi, quand même. Hein. Oui, ok. Mmh. Et mmh. On, on, on le laisse faire ce qu'il veut, d'accord Il fait son travail. Mais ce qui okay. nous intéresse, ouais. c'est qu'il y ait toujours l'énergie là sur les côtés. Oui, oui. Là, je Donc, là, la... Pourquoi je reprends Christine Parce qu'elle me parle souvent du ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Mais moi, je veux qu'on travaille là au niveau du transvers et des obliques. Donc c'est pour ça que je dis OK, bah, le ventre, écoute, il fait sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe là okay parce que en fait, tu vois, ton coacher voit ce sur quoi il se focalise ou ce sur quoi tu vas lui faire mettre toi le, le projecteur, d'accord Et donc là, c'est ce que je lui dis. Tant oh, oui, mmh. je la sens Génial. bien. Mmh. Donc on le refait mmh. une dernière fois, puis après on testera en chantant. Mmh. Ok, oui. vas-y, garde les mains Merci. comme ça et chante ton refrain. Merci. Libre, libre de penser, libre de créer, libre d'aimer. Nous sommes tous libres de penser, de créer, d'aimer. Okay, je sens effectivement que ça travaille. Alors, je ne sais pas si ça travaillait avant ou pas, du coup, sur les côtés non plus. Hein. Je n'avais pas fait attention avant. Et là, effectivement, je sens la, 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 la résistance sur les côtés. Quoi. Génial, génial. Et comment est-ce que c'est au niveau de, le, de la voix ben, Du coup, effectivement, je pense que je, je, je travaille moins sur la voix. Quoi. Je pousse moins sur la voix, peut-être. Ok, ok, cool. Ouais, ouais. euh, ouais. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait, tout à l'heure, ce que tu faisais, c'était ça, tu vois, vraiment, avec... ouais, ouais. Où, où on voyait vraiment le creux. Tu vois oui, 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 oui. Et en fait, si tu veux, tout cet air que le ventre expulse, c'est beaucoup trop violent pour les cordes vocales. D'accord. C'est ça qui les irrite. Et là, si tu veux, pour, sans forcément aller dans toutes les explications anatomiques, mais l'idée que oui. cette énergie là, oui. et, et aussi là un petit peu, si tu veux, parce que c'est un tout, oui, oui. mais si tu veux, hum. ça, ça régule beaucoup mieux en fait la quantité d'air que tes cordes vocales vont recevoir. Alors évidemment, là, je fais beaucoup de raccourcis par rapport à la véritable explication technique, mais l'élève n'a pas besoin. De... Christine n'est pas une coach, d'accord Donc euh, on peut dire oui, mais ce que tu dis est imprécis, etc. Je donne juste le niveau d'information dont je sens que Christine peut avoir besoin pour dire mais alors attends par rapport à ce que je faisais, etc. Juste pour l'aider et, euh, et, et je peux m'autoriser du coup à être complètement, euh, je dirais, imparfaite dans mon explication puisqu'elle n'a pas besoin d'une explication technique précise. D'accord. Et c'est beaucoup plus confortable pour elle et ce n'est pas pour autant moins fort. D'accord. Hein, parce que tu restes, finalement, ton rendement vocal s'améliore. Et, et donc du coup... Parce... Ça c'est important parce que quand on met en place une nouvelle euh, habitude, la personne, si elle avait sa première habitude, c'est parce qu'elle avait un objectif. Et donc là, Christine pourrait se dire, ouais mais attends, quand je fais ça... Est-ce que quelque part, je chante pas moins fort Parce qu'elle, elle va avoir l'impression qu'elle s'investit moins corporellement, qu'elle donne moins. Donc, elle pourrait avoir l'impression que ça sort moins fort à la fin. Sauf que là, je lui explique qu'étant donné que le rendement vocal va être meilleur, en réalité, ça ne sera pas moins fort. Euh, et c'est important de... de... Elle n'a pas évoqué cette objection, mais je sais qu'elle peut apparaître, et c'est pour ça que je veux traiter ça avant. Que Christine se dise toute seule chez elle, ouais, mais bon, c'est bien gentil ce qui m'a fait Antoine, mais du coup, je vais chanter moins fort. Donc finalement, je vais retourner à mon ancienne habitude. D'accord Là, je lui donne euh, l'idée que, ok, la nouvelle habitude qu'on va essayer de mettre en place, le nouveau geste, va avoir autant de performance sinon de meilleures performances que son ancien geste. Une voix, si tu veux, euh, qui, qui, qui se fait un peu brutaliser. Euh, oui. Finalement, son, son rendement il va baisser et c'est une sorte de cycle infernal parce que ok mon son est moins bon et alors du coup je pousse plus et mon son est moins bon et je pousse plus et comme ça Siri de toute oui. façon mon son est moins bon et donc je pousse de plus en plus. Là en travaillant oui. avec cette énergie là et c'est un petit peu toi cette idée de euh, comme si je devenais plus grand ou comme si je poussais ou, ou... là tu, tu as eu des bonnes sensations sur les côtés donc on peut garder ça. Oui oui. Euh, et du coup, donc... On aurait pu aller chercher des sensations dans le dos, on aurait pu aller chercher des sensations euh, euh, sous le nombril, juste au-dessus de l'os pubien, etc. Là, je lui dis, OK, ces sensations-là, elles ont été bonnes chez toi, on garde ça. Hein, je dis ça parce que peut-être elle va regarder d'autres vidéos, des contenus où on dirait, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais là, ce qui marche avec Christine, là, c'est sur les côtés, donc on garde ça. Au moment où tu vas vouloir justement chanter plus fort, concentre-toi sur ça. Alors là, du coup, ton travail, ça va être que ton corps... Intègre cette sensation et là, le, ce petit hamster qu'on a fait, là mmh. il, il nous aide bien à réveiller ces sensations-là. D'accord, faire l'hamster. <laughs> et donc là, je lui dis le petit travail qu'on va faire, euh, puisque Christine venait en disant Ouais, mais moi, je travaille ma voix, donc je reboucle en lui disant que bah, voilà un nouveau travail qu'elle va pouvoir faire, parce que ce travail-là va pouvoir en créer une nouvelle habitude quand elle va vouloir chercher à, à, à avoir du volume. Donc là, on est sur un coaching très court, 20 minutes. Là, évidemment, Christine va avoir besoin de répéter le geste, de travailler ça. Il faut qu'il y ait la myélinisation des autoroutes neuronales. Il faut que ça se travaille de face. Euh, mais ça sert à rien que je reste deux heures et Christine à lui faire répéter, répéter, répéter. Là, elle a compris le geste. Elle va le répéter dans son coin. On est sur voilà, 20 minutes de coaching. Là, on a déjà un très bon truc sur lequel Christine peut avancer. Hein, des fois, des gens me disent ouais, mais Antoine, un coaching, c'est une heure, c'est une heure et demie. Évidemment, on peut faire un super boulot en une heure et demie. Mais là, concrètement, si Christine veut changer quelque chose, ce qu'on a travaillé là est suffisant déjà. Si elle arrive à ancrer cette nouvelle habitude, ça sera déjà parfait. Okay Donc je vais stopper là. On avait encore euh, échangé un petit peu. Là, le, le coaching durait 30 minutes en réalité. Là, on a vu 20 minutes de coaching. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que c'est à moi de m'adapter à l'élève c'est à moi d'être très, euh, je dirais, euh, alerte sur ce que j'observe sur ce qu'elle me dit, sur ce que son corps me dit, sur les mots qu'elle emploie, sur les idées peut-être qu'elle se raconte dans sa tête, et de pouvoir comme ça, euh, malgré elle quelque part, euh, nourrir ou à l'inverse, euh, ne pas nourrir. Donc là, elle disait travailler, je lui dis, ben, tiens, le travail que tu vas faire, donc je reboucle avec le début, et à l'inverse, je lui explique au début, écoute, c'est pas grave, voilà, c'est normal, il y a, y a une irritation, ok, on va, on va voir comment travailler autrement. Euh, et, de, et pour ça, bah, j'ai besoin d'être en présence, j'ai besoin d'être très présent à ce que Christine me dit, je ne peux pas être en train de scroller sur mon téléphone, en train de machin, de... Non, je suis 100% en présence avec Christine, je suis en alerte, on voit ça dans le protocole ISPO, ça fait partie du I, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que tu as vu que les hypothèses là, que j'avais formulées, certaines ne sont pas forcément justes, certaines s'avèrent euh, vraies, mais du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite au niveau du coaching pour aller travailler là où elle en a besoin. J'aurais pu faire lui dire ah ben tu te fais comme je le vois des fois. Ah ben si tu as mal quand tu chantes c'est parce que tu manques de technique. Bon ben faut qu'on travaille la technique. Et puis ben, on va travailler la technique pendant des mois. Mais est-ce que travailler la technique de vibrato aide Christine par rapport euh, à ses douleurs Non, non, on n'est pas là-dessus. Est-ce que de dire ah il ben, faut que tu apprennes à respirer? Bon ben très bien, Christine elle va apprendre à respirer, mais sauf que là, tant qu'on n'a pas identifié que c'est lié à sa manière de produire le volume. Ben, on n'a pas travaillé au bon endroit. Là, très clairement, il faudrait ensuite euh, travailler sur des techniques de volume de projection vocale, de dire, OK, comment je peux avoir un maximum de projection vocale sans être obligé de passer sur un forçage des cordes vocales. Ça, ça serait dans la suite du coaching. Hein. Tu te souviens que dans les coachings, enfin, tu te souviens, j'explique ça euh, euh, dans certaines vidéos. J'ai un objectif, moi, pour la fin du coaching. J'ai un objectif à deux mois. J'ai un objectif pour six mois. Là, son objectif, c'est de pouvoir faire des concerts de deux heures. Donc, par rapport à ça, je me dirais, OK. Il faudrait qu'on puisse travailler des techniques de projection vocale pour qu'elle puisse les utiliser dans son concert. Euh, là, mon objectif, c'était de dire, OK, je veux qu'on identifie quelle est la raison principale qui fait que Christine se fait mal quand elle chante et pouvoir lui faire expérimenter dans son corps un nouveau geste. Et je prétends pas qu'elle me dise, Ah super, c'est génial, ça y est, ma voix, tout va bien, etc. Non. Ça serait peut-être préjugé de mes compétences de coach et euh, des siennes en tant qu'élève, mais déjà, si je me fixe dans ma tête, ok, j'ai un premier objectif tangible de cette session de coaching qui a duré là 20 minutes, qui est de dire, est-ce que je peux proposer à Christine une nouvelle voix, une nouvelle sensation dans son corps, ce qui est le cas ici. Ok, et bien déjà mon premier objectif il est atteint et on verra sur un prochain coaching la suite, etc. Je vois beaucoup de personnes. Euh, se pénaliser par le fait de chercher à faire trop de choses dans un coaching et puis finalement l'élève il repart avec quoi Pff, Avec pas grand-chose. On a la cour des Binghaus qui nous explique, qu'on appelle la cour de l'oubli, qui nous dit qu'au euh, bout de quelques semaines, il reste plus grand-chose en fait de ce qu'on a vu. Donc là, si on voit une chose, un point principal, c'est déjà bien. On est passé par les sensations du corps parce qu'on a vu que Christine au début, avec son langage du corps, nous a montré qu'elle vivait les choses dans son corps. Donc c'est pour ça que je suis parti là dans les sensations corporel à travers cet exercice où on gonfle les joues. Voilà, j'espère que ce type d'analyse de, de, de coaching euh, te plaît. Euh, J'ai un grand plaisir à, 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 à partager ça. Euh, et euh, si tu as envie ben, de te former plus au Coaching, si tu as envie, peut-être tu fais des cours de chant aujourd'hui, mais tu as envie de te spécialiser vraiment de passer à, dans, un, dans le monde du, du coaching, euh, eh bien il y a des choses à apprendre. J'ai créé une école pour ça, la Vocal Coach Factory, qui est un centre de formation professionnelle qui te délivre une certification. Et si ça t'intéresse, alors en fonction du moment où tu euh, regarderas cette vidéo, je ne sais pas si les candidatures seront encore ouvertes, en tout cas. On va te laisser un lien dans la description juste en dessous ou à la fin là, de cette vidéo dans l'écran de fin. Tu pourras cliquer dessus et tu trouveras toutes les informations pour te renseigner sur cette école de formation au métier du coaching vocal. Et si tu veux qu'on en discute, eh bien, prends rendez-vous avec moi et on parlera avec grand plaisir de ton projet. Voilà, je te donne rendez-vous eh dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao